du séminaire, Madame, pour nous avoir permis d'organiser cette séance dédiée à l'enseignement de la cosmographie. Donc, cette introduction aurait dû être faite par Norbert Verdier, qui a malheureusement eu un empêchement, mais il est avec nous par la pensée, n'est-ce pas ? Il nous accompagne aujourd'hui. Et donc, c'est moi qui m'en charge, Catherine Radka, pour ceux qui ne me connaissent pas. Ensuite, Colette fera la première présentation. David Aubin viendra pour la table ronde. Norbert donc, ne pourra pas participer à la table ronde, mais en revanche, puisque vous êtes là, ceux qui seront encore présents au moment où nous ferons la table ronde, donc peut-être qu'on enchaînera pour amener la discussion avec la salle, puisqu'il y a certaines personnes qui doivent partir plus tôt. Ce qui serait bien, c'est que la table ronde donne lieu à une réelle discussion, donc qu'on profite aussi de la présence d'autres chercheurs intéressés par la cosmographie dans l'assistance. Donc, la cosmographie, aujourd'hui, nous allons parler plus précisément de la question de la technicité mathématique dans les apprentissages de la cosmographie au XIXe et au XXe siècle. Le terme cosmographie, quant à lui, évoque tout particulièrement la Renaissance, un moment où la compréhension de l'organisation du cosmos autour et sur la Terre est renouvelée par l'élargissement des horizons et la compilation des informations par les cosmographes, géographes, qui éditent ce qui s'appelle précisément des cosmographies. Lorsqu'on se déplace dans le temps et qu'on fait une étude bibliographique des livres publiés et qui sont intitulés cosmographies, au XIXe siècle, on a affaire à des ouvrages vraiment très différents de cette tradition géographique, cosmographique, où il est question de connaître la Terre en connaissant la sphère terrestre en lien avec la sphère céleste, bien sûr. Mais au XIXe siècle, on voit autre chose qui apparaît, qui sont des cosmographies dédiées à l'enseignement, ou en tout cas des ouvrages où on fait une forme de vulgarisation de l'astronomie, de diffusion d'un certain nombre de notions astronomiques. Pour simplifier et légèrement caricaturer les choses, on pourrait dire que dans les cosmographies de la Renaissance, l'objet finalement était le cosmos terrestre au sens Humboldt des géographes, et au XIXe, ça devient l'objet devient le ciel. Mais bien évidemment, ce n'est pas si simple, et la connaissance de la Terre passe par la connaissance du ciel, et les deux sont liés. Et on le verra, cela apparaît également dans les ouvrages que nous étudions. Mais c'est autour de ces livres de cosmographie du XIXe et même du XXe siècle que nous nous sommes réunis avec Norbert, puis Colette, puis d'autres ici présents, avec l'idée de discuter, de réfléchir à la conduite d'une analyse un petit peu sérieuse associant l'histoire de l'astronomie et des mathématiques à l'histoire de l'édition et à l'histoire de l'enseignement. Donc, la séance de cet après-midi est en fait notre premier moment de travail collectif ouvert au public. Et c'est à ce titre qu'elle sera largement exploratoire, que nous reviendrons aussi sur des précisions nécessaires à poser en préalable pour comprendre ce que c'est que cet enseignement de la cosmographie qui nous semble être une particularité française, on y reviendra peut-être dans la discussion en fin de séance, mais qui en tout cas est complètement associé à l'enseignement des mathématiques dans l'ordre secondaire au XIXe siècle. Donc, c'est ce premier point que Colette, que vous connaissez tous, mes chercheurs associés au Centre François Viette, qui a soutenu sa thèse en 2002 sur les livres de vulgarisation de l'astronomie de 1686 à 1880, c'est bien ça, donnera une vue d'ensemble, puisqu'elle nous parlera de l'enseignement de la cosmographie sur quasiment tout le XIXe siècle, dans le secondaire, de manière à faire ressortir les tensions qui apparaissent entre la technicité mathématique et la description naturaliste, qui est parfois le chemin suivi par les auteurs pour promouvoir cet enseignement. Elle rappellera à cette occasion que cet enseignement ne s'adressait alors sous cette forme, qu'à une partie limitée des jeunes Français, ce qui pose forcément la question de ce qui était proposé aux autres. Sous quel cadre, pour qui, comment, pourquoi, et avec quelles mathématiques, bien évidemment. Cette question de l'élargissement de l'enseignement sera l'objet du second exposé, que je présenterai en me concentrant plutôt sur une période postérieure à celle de Colette, même si discuter des autres types d'enseignement, des autres publics aussi sur sa période.
Donc moi, je parlerai plutôt du XXe siècle, au sens long XXe siècle, à partir de la Troisième République. Et dans la seconde partie de la séance, David Aubin de l'UPMC viendra se joindre à nous pour discuter de la question des sources que le problème mathématique nous pose. Et nous vous invitons bien évidemment à participer à la discussion qui aura lieu de manière à la rendre pleinement productive. Colette, je te laisse la parole. Merci beaucoup Catherine. Donc, comme Catherine vous l'a expliqué, moi je vais me pencher sur le 19e siècle et mon travail a déjà été publié de deux manières. Donc, un chapitre intitulé « De l'astronomie à la cosmographie, enseigner la science des astres 1802-1852 » dans cet ouvrage de Pierre Kahn et Yuan Michel intitulé « Formation, transformation des savoirs scolaires aux presses universitaires de Caen » en 2016. Et puis, à droite sur l'écran, une page sur le site Images des mathématiques qui s'appelait « Vie et mort d'un enseignement, la cosmographie ». 1830-1968, qui est paru le 14 janvier 2016. Donc aujourd'hui, je vais dresser un panorama qui sera plus large que celui que j'ai fait pour Caen et un peu plus étroit que celui que j'ai fait pour le site Images des mathématiques, car je vais me borner au 19e siècle. Et c'est déjà une tâche ardue, bien sûr à cause de la succession des régimes politiques, mais aussi des profondes mutations de l'enseignement secondaire. Mais cette longue période permet de saisir, au travers des jeux de balanciers auxquels on va assister, à la difficulté pour cette nouvelle discipline qui est tiraillée, comme on l'a écrit dans le titre, entre une description des merveilles du ciel et une application des mathématiques, donc difficulté pour cette discipline de se forger une identité. Paradoxalement, dans l'enseignement féminin créé en 1880, sur lequel j'interviendrai à la fin de mon exposé, elle acquiert aussitôt une légitimité qu'elle n'a pas dans son homologue masculin. Et c'est un aspect qu'il nous conviendra d'interroger dans la suite de notre chantier. Alors, les sources de ma recherche sont de deux ordres. Tout d'abord, les textes officiels qui ont été réunis par Bruno Belloste dans l'ouvrage « Les sciences dans l'enseignement secondaire français 1789-1914 ». Et d'autre part, les manuels de cosmographie que j'ai analysés. Alors, il y a un biais évident de ce type de source qui est souligné par Bruno Belloste, puisqu'il, évidemment, il va rendre compte de l'idéal des promoteurs de cet enseignement et non pas de sa réalité. La réalité de cet enseignement nous étant difficilement accessible, faute d'archives. Il y en a sans doute, mais qu'il conviendrait de réussir à trouver et analyser. Donc voici mon plan. Alors tout d'abord, je vais parler de ce qui précède la cosmographie, donc de le virage de l'astronomie à la cosmographie jusqu'en 1830. Dans un deuxième temps, je parlerai de ce qui se passe sous la monarchie de Juillet. Puis j'évoquerai la réforme fondamentale de la bifurcation. Je parlerai ensuite de la dernière partie du XIXe siècle où, à mon sens, on assiste à un retour au statu quo ante. Et je terminerai par une petite évocation de ce qui se passe chez les filles. Donc tout d'abord, cette première partie, ce qui se passe avant la cosmographie jusqu'en 1930. Et le premier sous-paragraphe, je l'ai intitulé « L'élan de la révolution fait long feu ». Effectivement, après l'expérience éphémère des écoles centrales de 1795 à 1802, où l'on a tenté d'enseigner les mathématiques dès l'âge de 14 ans, le consulat va créer les lycées qui sont bien plus proches des collèges d'ancien régime que ne l'étaient les écoles centrales. Ces lycées restaurent le primat des humanités et repoussent les mathématiques, en classes de rhétorique et de philosophie. N'oublions pas, comme l'a souligné Catherine tout à l'heure, le caractère élitiste des lycées qui scolarise 18 000 garçons en 1813. Dès 1803, un réseau d'écoles secondaires communales complète le dispositif sur lequel je ne me suis pas vraiment étendue. Les textes officiels à cette période sont très sommaires et ne fournissent que quelques directives et une liste de livres préconisés. Ainsi, en 1802, il est stipulé que le professeur de mathématiques doit enseigner, je cite... De contraste. Alors, on doit pouvoir éteindre le tableau. Le tableau, peut-être. Voilà. Ça, c'est le tableau. Thank you.
Ça va? Ça va? Pas de problème, pas de problème. L'orateur peut lire. Et puis, il improvisera si... Oui, c'est parfait, c'est parfait. Donc, je disais qu'il est stipulé que le professeur de mathématiques doit enseigner, je cite, « les éléments de la sphère et les éléments d'astronomie ». Pour cela, on lui conseille de s'appuyer sur les éléments d'astronomie du citoyen Biot, dans le texte de 1803, et l'abrégé de M. Delambre, donc Biot à gauche, Delambre à droite, l'abrégé de M. Delambre en 1814. Notons que ce dernier, donc Jean-Baptiste Delambre, fait partie du conseil de l'université qui, à l'époque, a la haute main sur l'enseignement secondaire. Alors, je vous ai apporté mon exemplaire de l'abrégé d'astronomie de Delambre, auquel je tiens comme à la prunelle de mes yeux. Donc, si vous voulez le consulter, vous pourrez le regarder. Donc, concours de manuels scolaires pour obtenir l'agrément et commission d'examen des 10 manuels encadrent la production, mais l'initiative privée reprend rapidement ses droits. Une spécialisation des libraires s'opère, dont Norbert Verdier parlerait plus brillamment que moi, malheureusement Norbert n'est pas là aujourd'hui, avec les maisons Coursier, Duneau et Masson notamment. Alors, les deux livres préconisés sont rédigés par des savants en vue, membres de l'Académie des sciences et du Bureau des longitudes. Autant le premier, œuvre d'un homme jeune, Poulain de la Place, est destiné à l'enseignement secondaire, autant le second, composé par un homme mûr, est un recueil de leçons du Collège de France, d'un niveau tout sauf élémentaire, comme vous pourrez le constater à la lecture, inaccessible à l'élève moyen en classe de philosophie. En effet, l'ouvrage est truffé de formules, allant de la trigonométrie élémentaire dès la page 7, et même à des termes très très compliqués dès la préface, au développement limité, page 248, en passant par la trigonométrie sphérique, page 85, et les logarithmes, page 135. De toute façon, vous voyez déjà un petit peu un état des lieux sur l'image que j'ai retenue. Biot comme Delambre se propose d'initier leurs lecteurs à la science en marche, comme tous les révolutionnaires veulent le faire à cette époque, et notamment à la mécanique céleste, discipline reine dans laquelle la France s'illustre avec brio. Du reste, l'abrégé de Delambre augure de son astronomie théorique et pratique en 3 volumes, paru en 1814. L'abrégé était paru en 1813, donc juste une année après. Et cette astronomie théorique et pratique est-elle destinée à la formation des astronomes? Alors, vient ensuite la restauration. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, une petite parenthèse pour rappeler que la première occurrence de l'expression « instruction secondaire » est attribuée par Bruno Belloste à François Guizot, qui effectivement utilise cette expression dans son essai sur l'histoire et sur l'état actuel de l'instruction publique publié en 1816. Donc la restauration, qui a souhaité faire disparaître les traces honnies des régimes précédents, va rebaptiser les lycées en collèges royaux, comme sous l'Ancien Régime. Et Bruno Belloste distingue 4 cercles de collèges. Les 5 collèges royaux parisiens, prestigieux, les 32 collèges royaux de province qui demeurent aussi dans le prestige, les quelques 300 collèges communaux et les institutions et pensions privées. Les directives concernant l'enseignement de la sphère et de l'astronomie, vraisemblablement appliquées dans les 2 premiers cercles uniquement, subsistent, mais sont repoussées en classe de philosophie. Et puis, en 1829, un rapport d'inspection de Charles Dinet, que tout le monde connaît, et de Louis Bourdon, regrette le vocabulaire spécifique de l'astronomie, fait le lien entre cet enseignement et celui de la trigonométrie sphérique. Il en conseille l'abandon, tout en reconnaissant qu'il devrait faire partie du cursus des collèges royaux. Beaucoup de collèges n'ont sans doute pas attendu cet avis de ce rapport pour délaisser cet enseignement qui n'est pas du tout testé dans les concours prestigieux, en particulier le concours de polytechnique auquel les lycées préparent, enfin les collèges royaux. Pendant cette période peu propice aux sciences, aucun savant ne s'attelle à la rédaction d'un ouvrage à destination du public scolaire. Donc nous allons maintenant passer à la partie 2, ce qui se passe sous la monarchie de Juillet. Alors tout d'abord, je voudrais souligner que les enjeux de l'enseignement à cette époque dépassent largement la simple cosmographie. Au cours de la monarchie de Juillet, une tension se fait jour entre 3 courants.
celui des partisans des humanités, personnifié par Victor Cousin, le troisième personnage, ministre de l'instruction publique en 1840, que nous retrouvons tout à l'heure, celui des géomètres, membre du Conseil royal de l'instruction publique, Poisson, à gauche, jusqu'à sa mort en 1840, puis Poinceau, militant pour une place de choix pour l'enseignement des mathématiques de haut niveau. Enfin, dernier courant, celui que Bruno Bellost qualifie d'industrialiste, c'est-à-dire les polytechniciens, saint-simoniens et autres, soucieux du retard intellectuel de la France par rapport à l'Angleterre et en rendant responsable le faible niveau de l'enseignement scientifique. À la Chambre des députés, l'astronome François Arago, tout à fait à droite, se fait le porte-parole de ce dernier courant. En dépit de ces tensions, l'enseignement scientifique s'installe dans le paysage et la formation des enseignants progresse. Par exemple, entre 1813 et 1848, 146 agrégés de sciences sont formés. Ils enseignent dans les collèges les plus prestigieux, qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire les collèges de Paris, les cinq collèges de Paris et les collèges royaux de province. Les régents des collèges communaux étant généralement titulaires d'un simple baccalauréat S-Sciences. En 1830, apparaît pour la première fois en classe de rhétorique un cours de cosmographie, doté en 1833 d'un programme très détaillé que vous voyez ici. Deux aspects qu'il convient d'analyser. D'une part, le passage des éléments d'astronomie au cours de cosmographie n'est pas anodin. Les premiers pouvaient recouvrir tout et n'importe quoi, du simple vernis culturel à l'initiation à la mécanique céleste, à moins que le professeur de mathématiques entende le mot « élément » au sens d'Euclide. Le second terme, cours de cosmographie, reprend, comme l'a dit Catherine tout à l'heure, une tradition issue du Moyen-Âge et de la Renaissance de description de l'univers. Toutefois, le programme va au-delà d'une simple astronomie descriptive, puisque, comme vous pouvez le voir dans les items, à côté du traditionnel repérage dans l'espace et dans le temps, on note par exemple la parallaxe des étoiles dans le point 5, la réfraction astronomique, les méthodes lunaires et des satellites de Jupiter pour déterminer les longitudes, la libration lunaire, le mouvement de nutation de l'axe terrestre. Lors de son arrivée au ministère, Victor Cousin s'active à repousser en classe de philosophie tous les cours qualifiés d'accessoires, parmi lesquels la cosmographie. Il écrit « Cet enseignement accessoire, infructueux en lui-même, nuit considérablement aux études classiques ». Ce report est très préjudiciable à la discipline, car à cette époque, nombre de collégiens arrêtent leur scolarité en fin de rhétorique. Lorsque Salvandi reprend le ministère de l'Instruction publique en 1845, il commande un rapport à Louis Poinceau, dont nous avons aussi parlé tout à l'heure, qui attaque point par point l'argumentaire de Cousin. Vous retrouvez le terme « accessoire » dans le discours de Poinceau. Le principe qui domine tout ce travail est que ces premières notions d'arithmétique, de géométrie et de cosmographie qui entrent dans toute éducation libérale doivent être annexées au cours régulier des lettres et former ainsi une partie non accessoire mais intégrante de chaque classe. Que données suivant cette méthode et dans cet esprit qu'on a déjà si particulièrement recommandé, elles vont naturellement à l'intelligence des élèves et que loin d'être nuisibles, terme repris également de Cousin, elles sont favorables au progrès même des bonnes études littéraires. Concernant la cosmographie, Louis Poinceau constate que les professeurs de mathématiques et de physique se renvoient souvent la balle. Dans le programme de 1847 qui va suivre ce rapport, les phénomènes complexes dont on a parlé tout à l'heure, pouvant être attachés à la physique, c'est-à-dire la réfraction, la libration, la nutation et les méthodes pratiques de détermination des longitudes disparaissent. Un paragraphe précède le programme et précise revoir les éléments de géométrie dans l'espace seulement en ce qui concerne les droites perpendiculaires et obliques au plan, intersection de la sphère par un plan, grand et petit cercle de la sphère, propriété des pôles et tracé des arcs de cercle sur la surface de la sphère, plan tangent à la sphère. Je l'interprète comme une volonté de remettre l'enseignement de l'astronomie dans son cadre géométrique. À la suite du rapport de Poinceau, la cosmographie est rétablie en classe de rhétorique.
Et à partir de 1849, chose très importante, une question de cosmographie est au nombre des questions de mathématiques du baccalauréat. Comme chacun sait, c'est un signe très fort de la nécessité d'un enseignement. Quand on met des questions à l'examen, on a des chances qu'elles soient traitées. Dans la liste des suggestions, j'ai sélectionné à titre d'exemple « Comment a-t-on pu reconnaître l'aplatissement de la Terre ?» Alors, Catherine m'a mis la puce à l'oreille en me disant « Mais ça peut vouloir dire qu'on demande des choses difficiles aux élèves, parce que comment traiter cette question ?» Eh bien, on peut être amené à expliquer le principe de la triangulation, par exemple, ou d'expliquer ce que c'est qu'un ellipsoïde de révolution. En réalité, j'ai quelques doutes, parce que quand on regarde les manuels et la réponse qu'il apporte à cette question, on constate que la plupart retracent simplement les étapes historiques de la détermination de la figure de la Terre avec l'accourcissement du pendule et les mesures d'arc de méridien au Pérou et en Laponie. Et la plupart des calculs se bornent à calculer un rapport A-B sur A pour déterminer l'aplatissement. Alors, autre aspect très important à prêter à Salvandi, donc il va écouter les industrialistes et créer un enseignement spécial en 1847, moins imprégné d'humanité, plus scientifique, destiné aux jeunes qui ne s'engagent pas vers des études longues. Et son programme de cosmographie paru en 1849 est plus pratique et fait référence aux instruments, aux cartes, à l'astronomie nautique. Le professeur doit par exemple exercer ses élèves, je cite, à la connaissance du ciel étoilé. Je ne sais pas du tout comment il le fait, mais bon, il doit le faire. Alors, pendant cette période, on assiste, malgré l'existence d'un programme officiel, à une constellation disparate de manuels scolaires, tant au niveau des auteurs que du contenu ou du public visé. Sur la période 1830-1851, j'ai compté environ une vingtaine de manuels. Ils sont publiés en majorité à Paris, mais aussi en province, à Lyon, Orléans, Dijon, Haguenau, Dunkerque. Plusieurs auteurs sont professeurs de mathématiques, mais d'autres sont officiers d'artillerie ou membres de sociétés savantes. La plupart se sont essayés à la rédaction de manuels scolaires dans d'autres disciplines ou d'ouvrages d'astronomie pour un public plus large. Tel est le cas d'Auguste Mutel, qui publie un cours de cosmographie à Lyon et à Paris en 1837, mais qui a aussi publié une flore du Dauphiné en 1830 et un cours d'arithmétique en 1827. Norbert m'a fait remarquer que je ne devais pas confondre ce cours d'arithmétique avec les éléments d'arithmétique que sa fille Laure Mutel, a publié en 1841. La confusion est entretenue, en particulier sur un certain nombre de pages Internet. Et puis, de l'autre côté, j'ai mis le livre « Principes de cosmographie » de François Delisle que je vous ai apporté, qui est vraiment un prototype de ce qu'on peut trouver à cette période et qui est paru pour la première édition en 1849 et qui a été réédité jusqu'à la fin du siècle. C'est un livre qui entend toucher un très large public puisque quand je regarde, je possède un exemplaire de la sixième édition de 1865 qui stipule « Principes de cosmographie renfermant la solution des questions de géométrie et de cosmographie qui sont adressées dans les examens de l'Hôtel de Ville de Paris » ouvrage destiné aux établissements d'instruction secondaire, aux aspirantes au diplôme de maîtresse de pension et aux écoles primaires supérieures. Donc vous voyez qu'il ratisse très très large. Et quand on reviendra là-dessus dans le débat, peut-être conviendrait-il dans notre chantier d'explorer ces enseignements, par exemple pour le concours de l'hôtel de ville ou le concours pour devenir maîtresse de pension. Le texte est composé de petits paragraphes courts, numérotés, dont les 70 premiers, les 12 premières pages, donnent des notions de géométrie sur les angles, les polygones, la sphère, le cône, etc., avant d'entrer dans le vif du sujet astronomique. Le livre ne comporte aucune formule, et quand l'auteur dit qu'il va donner des preuves, ce sont des preuves de l'ordre du discours. Pour ménager une transition avec le paragraphe suivant, j'ai sélectionné pour vous le paragraphe 72 de la page 13, donc, c'est la définition de l'univers. On appelle monde ou univers l'ensemble de tous les corps que Dieu a créés. Voilà. Donc, le paragraphe suivant, comme vous vous en doutez, c'est le courant catholique. Parce que de nombreux collèges à l'époque sont tenus, pour la majorité même, sont tenus par des congrégations religieuses, donc un courant catholique s'implante durablement dans le paysage éditorial,
la maison la plus célèbre étant la maison MAM de Tours, à laquelle une ANR a été consacrée récemment, devenant emblématique de cette production. Elle établit, cette maison MAM de Tours établit une convention de quasi-monopole avec les frères des écoles chrétiennes en 1840. Et en dehors des frères des écoles chrétiennes, elle pourvoit aussi de nombreux établissements en saine lecture. En 1844, Léon Michel Dédouis, professeur au collège Stanislas, publie ses leçons élémentaires d'astronomie. Alors, il n'a pas utilisé le terme cosmographie parce qu'il le destine à l'homme du monde, à l'adolescent et à toutes les familles. Mais nous avons des preuves que ce livre était utilisé dans des établissements d'enseignement secondaire catholique. Il se propose de dresser un, je cite, « tableau complet de la science astronomique, mais dépouillé de tout cet appareil de géométrie et de calcul ». En revanche, il ne s'interdit pas le recours à de nombreuses figures explicatives et il ne s'interdit pas le recours à l'idéologie qui transparaît dans maints chapitres. Ainsi, l'auteur s'arrête longuement sur, je cite, « les ténèbres qui couvrirent la terre et la, à la mort de Jésus-Christ ». Donc il s'interroge sur ce phénomène astronomique important, puisque une éclipse de soleil n'est normalement pas possible, la mort de Jésus-Christ survenant à Pâques, c'est-à-dire au moment de la pleine lune. Donc, puisque ça n'est astronomiquement pas possible, il faut que ça soit un miracle. Donc, succès considérable pour cet ouvrage, qui va connaître au moins 9 éditions jusqu'à la fin du siècle. J'aborde maintenant la troisième partie, donc la bifurcation. Donc, tout le monde connaît cette réforme initiée par le ministre Fortoul en 1852 et aboutissant à la création de deux filières séparées, lettres et sciences. Ce tournant considérable dans l'histoire de l'enseignement a été largement étudié. Donc moi, je ne vais insister que sur l'aspect cosmographie de cette réforme. Donc le rapport de la commission mixte chargée d'élaborer les nouveaux programmes est remis au ministre en juillet 1752, par son rédacteur, Jean-Baptiste Dumas. Au sein de cette commission, nous trouvons l'astronome Urbain Le Verrier, auréolé du succès de la découverte de Neptune en 1846. Fidèle soutien du prince président, qui deviendra Napoléon III, qui tente déjà à l'époque de détrôner François Arago de l'Observatoire de Paris. Le paragraphe 7 de ce rapport affirme « L'enseignement de la cosmographie a rarement réussi dans les lycées. Mais il était confié à des professeurs étrangers à la connaissance réelle des instruments d'astronomie et à celle du ciel, obligés de remplir par conséquent leurs leçons par l'exposition de quelques-unes des méthodes de calcul applicables à la détermination du mouvement des astres et aux lois des phénomènes célestes. La commission propose d'exiger que cet enseignement demeure purement descriptif. » Descriptif, mot clé pour cette deuxième partie du XIXe siècle. La situation est donc paradoxale, car au moment où l'on impose un cursus scientifique spécifique, la cosmographie, tout en restant dans le giron des mathématiques, partage les caractères de l'histoire naturelle. Dans la filière lettres, le cours de cosmographie est avancé en classe de seconde. La seule concession faite à la pratique est l'usage d'un appareil uranographique. Le programme de la filière sciences, pour un enseignement dispensé en rhétorique, débute par le rappel, ce cours sera purement descriptif. Les programmes sont appuyés par des instructions publiées en 1854 qui enfoncent le clou. Le programme de cosmographie, rapide coup d'œil jeté sur la majesté de la création, est revu exacte, quoique sommaire, des merveilles qu'elle renferme. Dégagée de tout calcul et de tout appareil scientifique, cette étude purement descriptive doit se borner à faire connaître les doctrines et les résultats de la science moderne, sans insister sur la complication des systèmes anciens. Alors, cette réforme de la bifurcation va engendrer une uniformisation des manuels. D'une part, les cosmographies sont publiées par des auteurs compétents, respectueux des programmes. Le contenu s'en standardise. Les auteurs ne s'octroient pas les libertés qui étaient prises à la période précédente, comme on l'a vu. Une bonne dizaine d'ouvrages de cette nature paraît en 2 ans, dont ceux que je vous ai mis sur la diapositive de Charles Briot, qui est professeur au lycée Saint-Louis, d'Adrien Guillemin, qui est professeur au lycée Bonaparte, et puis j'en ai mis d'autres dont je vous parlerai par la suite. Alors, d'autre part,
un grand mathématicien, donc celui que vous voyez apparaître à la troisième position, c'est-à-dire catalan, et deux grands astronomes que vous voyez ensuite, Hervé Faye et Charles Delaunay, reprennent la tradition initiée par Biot et Delambre un demi-siècle auparavant. Donc Eugène Catalan compose en 1853 un manuel de cosmographie qui, comme ses homologues, connaît de nombreuses rééditions jusqu'à la fin du siècle. Très clair, illustré de figures, fidèle au programme officiel, il comporte des notes de bas de page renvoyées aux travaux de l'Académie des sciences ou de l'annuaire du Bureau des longitudes, qui prouvent que l'auteur se tient au courant des découvertes de l'astronomie. Conformément aux préconisations du ministère, les mathématiques se bornent à des calculs élémentaires et à quelques considérations géométriques. Je m'aperçois qu'il me manque deux diapos. Donc j'avais une page du manuel de Catalan qui vous montrait que les mathématiques étaient vraiment réduites à des calculs élémentaires. Et quelques considérations géométriques dans le chapitre consacré aux projections cartographiques. Le quatrième, donc Hervé Faye, académicien des sciences, professeur à Polytechnique, qui tiendra postérieurement les rênes du Bureau des longitudes, publie ses leçons de cosmographie en 1852. L'ouvrage, respectueux des textes, présente des parentés avec celui de Catalan. Quelques utilisations de la trigonométrie émaillent les pages de texte et une annexe démontre les propriétés de la projection stéréographique. Mais le reste de l'ouvrage est purement descriptif, ainsi que le recommande le ministère. Le dernier livre dont je vous ai mis la photo est celui de Charles Delaunay. Et il n'utilise pas le vocable cosmographie, mais s'appelle « Cours élémentaire d'astronomie », bien qu'il se réclame du programme officiel des lycées. En effet, chez cet académicien des sciences, futur directeur de l'Observatoire, le projet est plus vaste que la simple description du ciel. En particulier, les 100 premières pages sont consacrées aux instruments de l'observation, et les derniers résultats de l'astronomie seront apportés au fil des éditions successives. Par exemple, en 1860, on verra apparaître la spectroscopie. En dépit de ces particularités, le livre de Delaunay, comme ceux de Faye, Catalan, Biot et Guillemin, demeure une exposition des résultats de l'astronomie et non une initiation aux méthodes, comme pouvait l'être l'abrégé de Delambre 40 ans plus tôt. La technicité mathématique est définitivement bannie. Donc, quatrième point, retour au statu quo ante. Et dans la deuxième moitié du XIXe siècle, bien que le nombre de lycées s'accroît jusqu'à atteindre une centaine en 1900, bien que la séparation en trois cercles proposée sous la Restauration perde de la pertinence, et bien que la tutelle glisse de l'université au ministère de l'Instruction publique, la cosmographie n'y retrouve pas ses petits. La bifurcation a subi les assauts des partisans des humanités qui obtiennent une sorte de retour au statu quo ante. Donc, en 1864, abolition de la bifurcation par le ministre Victor Duruy. Un an auparavant, 1863, la cosmographie de la section lettres, qui était en seconde, a été reportée en rhétorique. Et le nouveau programme de 1865 stipule que le cours doit être très élémentaire et surtout descriptif. Donc vous voyez que c'est devenu un leitmotiv. Le programme de l'enseignement spécial de 1866 contient une sorte de manifeste de la nouvelle vision sur l'enseignement de la cosmographie. L'astronomie est le modèle des sciences d'observation. Voilà qui ne manque pas d'étonner quand on pense que 20 ans plus tôt, Urbain Le Verrier découvrit Neptune par la seule puissance du calcul, faisant ainsi triompher la mécanique céleste française, héritée du XVIIIe siècle et en particulier des travaux de Clairaut et d'Alembert. À l'occasion de la réforme de 1874, la cosmographie est répartie entre les deux niveaux rhétorique-philosophie. Vous avez vu que c'est un enjeu perpétuel au XIXe siècle, ce passage de la rhétorique à la philosophie. Avec un programme allégé, dont beaucoup d'alinéas commencent par « notion sûre ». En particulier, l'évocation des projections à propos de la cartographie, qui pouvait permettre des travaux pratiques de géométrie, disparaît. En 1880, la cosmographie réintègre la rhétorique sur un nouveau programme qui est de nouveau proche de celui du départ, de 1833. Et jusqu'à la fin du siècle, on va assister à ce jeu de balancier, la cosmographie oscillant entre rhétorique et philosophie, sur des programmes allant généralement en se réduisant
et demeurant purement descriptif. Elle n'est pas la seule discipline à connaître ce déclin. À l'origine de la fameuse réforme de 1902, dont Hélène nous parlerait si elle était là, mais ceci est une autre histoire qui sort de notre propos aujourd'hui. Je voudrais insister sur un autre aspect qui est la concurrence avec la vulgarisation scientifique. Ainsi que nous l'avons dit plus haut, notamment pour le livre de François Delisle qui doit circuler dans la salle, le succès éditorial d'un ouvrage tient à la multiplicité des publics visés. Or, un phénomène nouveau opère une transformation profonde dans les années 60, souvent appelée « âge d'or de la vulgarisation scientifique ». Âge d'or qui tient à la conjugaison de trois facteurs. L'audace d'éditeurs qui perçoivent les enjeux et publient indifféremment manuels scolaires et livres de vulgarisation. Les progrès considérables de l'édition qui permettent de réduire les coûts et d'illustrer les livres bon marché. Nous en avons parlé avec Catherine. Les illustrations sont aussi une piste de travail très intéressante parce qu'elles circulent à l'intérieur des éditeurs d'un type d'ouvrage à l'autre. Et puis, troisième facteur, le talent de nouveaux auteurs. Hachette va demander à l'un de ses auteurs phares, Amédée Guillemin, à ne pas confondre avec Adrien Guillemin, que j'ai cité tout à l'heure, donc Amédée Guillemin, de s'atteler à des éléments de cosmographie en 1867, destinés à l'enseignement spécial comme au grand public. Amédée Guillemin vient de triompher avec son magnifique ouvrage « Le ciel » 1864, au cartonnage somptueux, et aux superbes illustrations qui a servi de livre d'étrenne à plus d'un garçon de famille fortunée, et qui ne sera détrôné que par l'astronomie populaire de Camille Flammarion en 1880. Hachette se garde de mentionner qu'Amédée Guillemin fut professeur de mathématiques avant de faire carrière dans le journalisme et l'édition scientifique, car la vulgarisation scientifique joue sur les deux tableaux. Se démarquer de l'enseignement, jugé rébarbatif, et capter le public scolaire. Le grand entomologiste et vulgarisateur Jean-Henri Fabre se prête au jeu avec un cours de cosmographie que vous voyez apparaître ici, de même que Camille Flammarion avec sa petite astronomie descriptive qui ne s'appelle pas cosmographie mais qui a tous les caractères d'une cosmographie, une petite astronomie descriptive qui est conforme aux besoins de l'enseignement et qui paraît en 1877, donc avant son astronomie populaire. Pour tous les vulgarisateurs, l'appareil mathématique doit disparaître au profit du spectacle des merveilles célestes. Aussi ne peuvent-ils être que confortés par le caractère descriptif des programmes de 1852 et des suivants. Et chez les filles ? Donc évidemment, ce que nous avons dit jusque-là ne concerne que les garçons, dans la mesure où il n'est d'enseignement secondaire que masculin jusqu'à la Troisième République. C'est en 1867, avec ce que l'on appelle communément les cours du Ruy, que les filles font irruption dans notre histoire. Donc environ 2000 jeunes filles bénéficient des conférences payantes données à Paris et dans 44 villes de province. Selon Françoise Mayer, qui a fait l'étude sur 29 de ces cours, 13 proposent des leçons de cosmographie et 2 seulement proposent un enseignement de géométrie. Mais l'hostilité de l'Église est telle que Duruy doit bientôt abandonner cette première tentative. Il faut donc attendre la Troisième République et la réforme Camissé en 1880 pour qu'un enseignement secondaire pour les filles voie le jour. La plupart des protagonistes, y compris Camissé, partagent le sentiment que la place des mathématiques doit y être modeste. Mais un débat existe néanmoins. En revanche, la cosmographie ne fait l'objet d'aucune contestation et semble posséder une légitimité héritée de l'histoire. Ainsi que l'écrit le philosophe Paul Janet dans la Revue des Deux Mondes, la cosmographie en particulier est une science qui, au moins dans ses éléments, convient très bien aux femmes. Et d'évoquer à l'appui de cette thèse les entretiens sur la pluralité des mondes de Fontenelle, parus en 1686, destinés aux dames. Toutefois, il faut se garder de négliger les oppositions et les résistances. Ainsi, dans la revue à droite, vous avez un article paru dans la revue de Camissé, l'enseignement secondaire des jeunes filles, en 1885, où un docteur sommaire reprend compte des propos des détracteurs qu'il a entendus à droite et à gauche. Et donc, un des détracteurs dit: il ne leur suffit pas à leur bas bleu d'avoir des lunettes, ils veulent encore leur mettre le télescope à la main. Ce
qui fait bien évidemment écho aux femmes savantes de Molière, à 2 siècles de distance. Alors, cet enseignement féminin spécifique a-t-il des manuels spécifiques? Eh bien, quand on y regarde de plus près, on constate que la plupart des manuels scolaires sont à destination, à partir de l'apparition des filles, sont à destination du double public, garçons et filles, en dépit des différences de programme. Donc, j'ai regardé celui de Félicien Giraud, qui a été publié à Rouen, où il était enseignant de mathématiques au lycée Corneille. Donc, c'est l'édition de 1896, et j'ai regardé aussi celui de Auguste Grignon, qui était licencié en sciences mathématiques et physiques. Et donc, ces deux manuels s'adressent indifféremment aux garçons et aux filles, tandis que le troisième, pour lequel je n'ai trouvé aucune information biographique, M. P. Barieux, dont je serais contente de savoir de qui il s'agit, écrit spécifiquement pour les filles, puisque son nouveau cours de cosmographie s'adresse aux jeunes filles de 5e année. Alors, j'ai examiné celui du milieu, qui comporte 120 pages et qui est très proche du François de Lille qui est en train de circuler dans la salle. Donc des paragraphes simples, quelques formules parsèment le texte. Donc on calcule, à un moment donné, on calcule le volume d'une sphère ou on applique la troisième loi de Kepler, mais le reste est aussi de l'ordre du discours. Donc il est maintenant temps pour moi d'arriver à ma conclusion. Alors, en préparant cet exposé, j'ai été frappée par un élément auquel je n'avais pas pris garde jusque-là. C'est que tous les acteurs institutionnels de cette histoire sont membres du Bureau des Longitudes, dont nous faisons actuellement l'histoire dans l'ANR pilotée par Martina, ici présente, et Laurent Rollet. Qu'il s'agisse de Jean-Baptiste Delambre, de Siméon Denis Poisson, de Louis Poinceau, qui sont tous membres influents du Conseil de l'Université, ou d'Urbain Le Verrier, dont nous avons vu qu'il était une cheville ouvrière de la réforme de la bifurcation. C'est en 1854 que ce dernier, avec son ami et complice de toujours Jean-Baptiste Dumas, rédige les instructions qu'on a vues tout à l'heure pour mettre en œuvre la nouvelle filière scientifique. La même année, 1854, il prend le pouvoir à l'Observatoire de Paris. Parmi ces acteurs du Bureau des Longitudes, l'un occupe une position singulière. Lors de la prise de pouvoir par Le Verrier, Hervé Faye, dont on a vu qu'il était l'auteur d'une cosmographie, s'exile à Nancy, où il va devenir recteur d'académie. Puis, à son retour à Paris en 1857, il va devenir inspecteur général de l'enseignement secondaire jusqu'à la mort de Le Verrier en 1977, donc pendant 20 ans. Les enjeux qui traversent l'enseignement de la cosmographie peuvent également être mis en parallèle avec les enjeux de l'astronomie et du Bureau des Longitudes. Tout d'abord, la remise en cause du primat de la mécanique céleste et l'émergence de l'astronomie physique, les géomètres étant partageant peu à peu le pouvoir avec les physiciens, surtout à partir des années 1860. Deuxième aspect, la diversification des champs de compétences de l'astronomie, qui s'ouvre à la géodésie, à la géographie, à la physique du globe. Cette séance étant une ouverture de chantier, comme Catherine l'a bien précisé, plutôt que l'aboutissement d'une étude, je voudrais terminer par quelques hypothèses que nous reprendrons sans doute dans la table ronde. Donc, j'ai fait une petite diapo de comparaison entre l'astronomie de Delambre et la cosmographie de Lille. Je crois que c'est quand même assez frappant. Et donc, au cours du XIXe siècle, l'enseignement de l'astronomie, devenue cosmographie en 1830, s'est peu à peu départie de son contenu mathématique originel pour devenir purement descriptif en prenant en compte la réalité du terrain. Tout d'abord, le faible niveau mathématique des élèves qui ne maîtrisent pas les outils de la mécanique céleste, trigonométrie sphérique et calcul différentiel. Ensuite, l'absence de formation et de motivation des enseignants de mathématiques. De la plupart des enseignants de mathématiques, il y en a qui sont très motivés. Mais comme me l'a fait justement remarquer Catherine, quand nous avons échangé sur nos communications, le terme « descriptif » est sûrement polysémique. Et interroger ce terme « descriptif » qui revient comme un leitmotiv au cours du deuxième 19e siècle fera partie des enjeux majeurs de notre travail. Les tenants de l'enseignement scientifique doivent se battre contre les puissants adversaires de son développement. Et ils n'ont pas considéré la cosmographie comme un enjeu, ça c'est clair. Ils avaient d'autres chats à fouetter, si on peut se permettre d'être vulgaire. Au fil du temps, la cosmographie est devenue de plus en plus naturaliste et culturelle et aurait pu, sans dommage, passer dans un autre champ disciplinaire.
pour des raisons qu'il conviendrait d'étudier, encore un chantier, elle est néanmoins restée dans celui des mathématiques, au grand dam des professeurs, ne sachant que faire de cet enseignement si éloigné de leur quotidien. Je voudrais terminer sur les vulgarisateurs de l'âge d'or, qui rencontrent un écho considérable dans le grand public et qui véhiculent une idéologie selon laquelle les mathématiques sont un obstacle. Lorsqu'il présente l'astronomie dans son grand ouvrage, Camille Flammarion écrit « Elle n'est pas hérissée de chiffres comme de sévères savants voudraient le faire croire. Les formules algébriques ne sont que des échafaudages analogues à ceux qui ont servi à construire un palais admirablement conçu. Que les chiffres tombent et le palais d'Uranie resplendit dans l'azur, offrant aux yeux émerveillés toute sa grandeur et toute sa magnificence. » C'est vraiment du Flammarion. Plus d'un auteur de manuel scolaire soucieux de vendre à un large public a repris à son compte la métaphore de Flammarion et a laissé tomber l'échafaudage pour se borner au spectacle du palais. Je vous remercie. Je vous propose, avant de passer au deuxième exposé, s'il y a des questions précises, enfin de détails sur l'exposé lui-même de Colette. Ah. Oui, merci. Alors, si vous y avez répondu dans la première partie de l'exposé, je suis désolé, je suis arrivé en retard, malheureusement. Je reviens sur ce que vous avez dit des enseignants de mathématiques, dont vous dites que globalement, et les rapports officiels en témoignent, ils sont réticents à cet enseignement, en dépit du fait qu'on essaie de leur forcer la main en en mettant des questions au bac, comme on le fait toujours aujourd'hui. Et donc, du coup, je m'interroge sur la formation des enseignants de mathématiques. Ça veut dire que dans la formation universitaire des enseignants de mathématiques de lycée, il n'y avait pas d'astronomie. Est-ce que ça veut dire qu'au concours de recrutement, il n'y avait pas de question d'astronomie? C'est quelque chose qui leur était étranger de par leur culture professionnelle et leur formation? Alors, je suis mal placée pour répondre parce que je ne connais pas bien la formation. La formation est très hétérodoxe. Hein, c'est très, très... Bon, il y a évidemment les agrégés. Hein, bon, pour les agrégés, on a une bonne connaissance de leur formation. Pour les autres, c'est un petit peu plus compliqué, et en particulier pour ceux des cercles lointains, c'est-à-dire des gens qui enseignent en lycée de province, qui ont une formation... Les formations sont très disparates, c'est ça que je veux dire. Hein. Ce n'est pas du tout une situation analogue à la situation actuelle où on connaît le programme du CAPES, là, ce n'est pas le cas. Donc, les formations sont très disparates. Je ne connais pas... Enfin, je doute qu'il y ait une question de cosmographie au programme de l'agrégation, mais je ne pourrais pas me prononcer parce que je ne le connais pas. J'en suis désolée. Mais c'est un aspect à creuser. C'est un nouveau chantier. Françoise ? Merci. Oui, moi je me posais des questions, en fait un petit peu répondu après au moment où je me suis posé la question, c'est à propos des ouvrages. Oui. Alors, est-ce que tu sais pourquoi, parce qu'ils faisaient bien autre chose que ça dans leur vie quotidienne, quoi, d'écrire des ouvrages pour l'enseignement. Alors, pourquoi eux, pourquoi à ce moment-là, et quel était leur lectorat, étaient leurs objectifs? Est-ce qu'ils avaient un lectorat plus large? Est-ce que c'était de la vulgarisation avant de la vulgarisation? Est-ce que c'était contre le Verrier? Parce que, bon, il y avait des tensions. Bon, je crois que c'est dans les années 1850. 1852 pour Faye, oui. 56 pour... Oui. Donc, oui. La leçon de cosmographie et cours élémentaire d'astronomie. Oui. Alors, tu sais pourquoi ça surgit? Enfin, alors pour Faye, bon, je pense que Martina pourrait répondre aussi. Ça correspond à une période où il est il n'est pas encore en tension avec le Verrier parce que la bagarre va survenir après. Il fait partie des gens. Oui, la bagarre va venir après avec le Verrier. Il fait encore partie des gens qui ménagent le Verrier. Oui. Mais c'est une période où, enfin. Peut-être que, de toute façon, Faye a toujours été intéressé par la diffusion de l'astronomie. Hein, puisque... Alors justement, donc c'était un lectorat plus large, s'il s'adressait à un lectorat plus large, c'est ça la question aussi. Il ne faut pas oublier que Faye a traduit le cosmos de Humboldt, par exemple, auparavant. Hein, donc c'est quelqu'un qui... Faye a toujours été intéressé par la diffusion de l'astronomie auprès d'un grand public. Faye a toujours été un grand enseignant.
très pédagogue, d'après les témoignages des gens qui l'écoutaient. Donc, Fay a toujours été intéressé par l'enseignement, et les leçons de cosmographie sont publiées dans la filiation de la réforme de la bifurcation. Donc, Parce qu'il a publié des ouvrages pour son enseignement. Oui, c'est sûr. Par là, avec des équations. Alors, je pense, c'est une hypothèse qu'il faudrait confirmer avec des sources si on en trouvait, mais je pense que Fay pensait que la réforme de la bifurcation était une réforme importante, nécessaire. Et c'était, à mon avis, sa leçon de cosmographie, c'est une pierre à l'édifice de la bifurcation qu'il a apportée dès 1852. Alors moi, j'ai étudié, dans ses leçons de cosmographie, il met aussi un petit peu de ses sujets d'intérêt. J'ai étudié en particulier le chapitre sur les comètes, puisque Fay est connu pour la comète qui porte son nom. Et donc le chapitre sur les comètes que j'ai étudié sur le site Bibnum est un chapitre différent de ce qu'on trouve dans les autres cosmographies, où il apporte un aspect scientifique qu'on ne trouve pas ailleurs, et il pose des questions scientifiques qu'on ne trouve pas ailleurs. Donc il a investi de lui-même aussi là-dedans. Et puis par la suite, une fois qu'il sera parti à Nancy, qu'il sera fâché avec Le Verrier, qu'il sera parti à Nancy, il va continuer à s'intéresser à l'enseignement secondaire pendant 20 ans. Et il est... Voilà. Et il publie des discours par rapport à l'enseignant. Alors, Delaunay, c'est une situation différente. D'abord, c'est un cours d'astronomie, et chez Delaunay, c'est visiblement un désir plus large. Bon, c'est une époque où il n'y a pas de réelle formation des astronomes. Et donc, je pense que dans l'esprit de Delaunay, le cours d'astronomie est destiné non seulement à la cosmo dans les lycées, mais aussi et surtout à créer des vocations d'astronomes et à former, peut-être pas des astronomes, mais des élèves astronomes. Donc, je pense qu'il a une vue beaucoup plus large, et c'est sans doute pour ça que ça ne s'appelle pas cours de cosmographie, mais cours d'astronomie. Oui. C'est pas complètement élémentaire chez Delaunay, c'est beaucoup plus épais déjà. Mais ça serait intéressant, ça fait partie des chantiers aussi, on a plein de choses à faire. Quel était le tirage de ces ouvrages ? C'est extrêmement difficile au XIXe siècle de connaître le tirage d'un ouvrage. Ce qu'on peut connaître, c'est les éditions, le nombre d'éditions. Hein. Oui, il y a plusieurs. Oui, effectivement, ça, c'est... Mais des réimpressions ou des réimpressions. Oui. Mais c'est très difficile de trouver des informations sur les tirages. Donc on a très peu d'informations sur les tirages des ouvrages. Mais bon, là aussi, on ne désespère pas. Merci, Colette. Je vais avoir trois questions, si tu me permets. Elles sont... peur. La première question, c'est de... Voilà, les ouvrages que tu nous as présentés sont quand même assez gros. Et je me demandais si ça correspondait à un nombre d'heures d'enseignement assez important dans les lycées à ce moment-là, ou sinon... Que tu as une idée de ce qui était enseigné et ce qui n'était pas enseigné par rapport au programme qu'il y a dans les ouvrages. Alors, c'est plutôt ça qui est enseigné. Hein. Oui, c'est gros, ça, quand même. Ça tu trouves que c'est gros ouais. Ça prend beaucoup d'heures, enseigner ça. Je veux dire, tu as l'expérience du lycée. C'est de l'ordre d'une heure par semaine. C'est de l'ordre d'une heure par semaine pendant un an. Hein. Bon, oui. Mais il faut que je vérifie, parce que là, j'ai peur de te dire des bêtises. Je vérifierai avant de te répondre plus rigoureusement. Le nombre d'heures consacrées à la cosmographie n'est pas toujours précisé, je ne crois pas. Hein, tu vois. C'est un bloc sur l'enseignement des mathématiques, et puis le professeur de mathématiques décide de l'horaire qu'il consacre à la cosmographie, qui peut être zéro heure dans pas mal de classes, à mon avis, hein, mais qui peut être ce qui va être complètement différent au XXe siècle, j'imagine, où un horaire sera peut-être fixé. Mais de mémoire, au XIXe, il n'y a pas d'horaire. Deuxième question, c'est de savoir si... en dehors de l'enseignement des lycées, si la cosmographie est enseignée. Alors, moi, je n'ai pas. Je n'ai pas cherché, je veux dire. Hein. Donc, je ne... Mais, non, tu vas parler que du 20e... Oui. Ouais. Parce que dans l'ordre de l'enseignement primaire supérieur et tout ça, il y a certainement... Même dans les enseignements industriels, j'ai vu dans certaines usines... Aux ouvriers. Oui, alors, du côté de l'enseignement populaire, moi, je ne me suis pas du tout penchée sur l'enseignement populaire non plus. Hein. Je suis restée dans l'enseignement institutionnel. Ma troisième question, c'est de savoir s'il y avait un
volet ou même un geste vers l'observation qui est fait dans ces... Alors, donc, tu as vu, j'ai mentionné dans l'enseignement spécial, mais dans l'enseignement non spécial, il n'est pas stipulé qu'on doit observer le ciel. Mais dans l'enseignement spécial, il y a une mention à un moment donné où on dit qu'on devra leur donner une connaissance du ciel. Mais la connaissance du ciel, elle peut être livresque. Hein. Il est pas... Et, alors, j'ai vu un rapport, je ne me rappelle plus à quelle période ça se situe, mais ça, je pourrais retrouver aussi en fouillant dans mes archives, d'un enseignant dans les revues de la fin du 19e, les revues d'échange entre enseignants, qui dit « c'est pas simple de mener des observations dans un établissement. D'abord, ça ne peut se faire que dans les internats. » Parce que sinon, les observations se font surtout la nuit. Et donc, ce n'est pas du tout simple de mettre en place matériellement une observation du ciel. Hein. Mais j'ai des témoignages là-dessus, je dois pouvoir te retrouver des trucs. À la fin du siècle, c'est ça? Oui. Merci.